Et salut à tous, on se retrouve sur Mindtest for Fun par ce beau petit lever de soleil. Hé hé, si c'est pas mignon tout ça. Oui, ma chaise grince derrière. Trop bien. Et comme vous voyez, je suis en train de voler, tout simplement parce que j'ai reçu les droits exceptionnellement d'utiliser Fly. Pourquoi ? Pour pouvoir m'occuper de ce petit nanarbre. Comme vous voyez, il a bien poussé depuis qu'on s'est quitté au début de l'été parce que j'ai fait ça gentiment dans mon petit coin. C'est vrai que je ne vous ai pas fait de vidéo, j'ai pas trouvé sur le moment l'inspiration, les bonnes choses à dire, à faire, etc. Donc c'était mieux pour moi de ne pas vous faire de vidéo que de vous faire un truc que je considérais comme tout pourri. Voilà, ça c'est dit. On va réactiver ça quand même, et puis il va falloir que j'active le chat. Voilà. Ok, alors du coup nous ce qu'on va faire c'est que on va utiliser World Edit pour poser des feuilles sur cet arbre maintenant qu'il est fait. Et je me suis dit que tant qu'à faire on pouvait le faire ensemble. Pourquoi pas après tout. Et donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre juste par là, comme ça on est dans un des angles de l'arbre. On va juste prévenir quand même les gens. Voilà, ça c'est fait. Ok, alors, ensuite World Edit, ça marche si vous voulez sur votre serveur, et que vous avez le droit de l'utiliser, bien sûr, vous marquez /pos1, ça vous marque un premier point. Et puis ensuite, on va faire un post 2 qui sera plus loin. C'est un deuxième point en fait, et on va traiter tous les points qui sont entre deux. Juste revoir, est-ce qu'on poste un. Ok, je vais le mettre par là. Je pense que c'est pas mal. Ok, nickel. Et puis, on peut mettre ici le post 2, par là, mais il faut monter un peu. Ok, voilà. Nickel. Et voilà, et maintenant vous voyez qu'il y a toute une zone qui est marquée, qui est assez grande d'ailleurs. Bon, il y a un petit bug d'affichage, mais c'est pas très grave. Et ce qu'on va en faire de cette zone, c'est qu'on va remplacer tous les blocs d'air par des feuilles. Donc pour ça, /replace. Il y a eu Raza derrière qui troll un peu. Replace, donc on va remplacer l'air par leaves, les feuilles. Et c'est là qu'on va voir si ça marche ou pas. Peut-être qu'on va planter le serveur. Bim! Ok. Est-ce que vraiment je veux faire ça? Ça affecte 73 000 nodes. Oui. Yes. Bim! Voilà, ça c'est fait. 72 000 feuilles ajoutées d'un coup. On va juste sortir de là quand même. Voilà. Et maintenant, ça va gentiment commencer à se casser. Et petit à petit, notre arbre sera feuillu comme ça. Du coup, on va recommencer juste là. Là, ça me paraît pas trop mal. Et puis, on va venir jusqu'ici. À peu près, hein, on fera après plus haut. Post 2. Yes, replace. On va remplacer l'air par leaves. Tac. Tac, bim, même chose, ça va gentiment se casser. Ensuite, par là, yes, position 2, elle sera par ici, comme ça on va pas toucher l'intérieur de l'arbre si possible. Ok, et là, comment c'était, voilà, yes. Bim! Nickel! Bah voilà! Ça s'en fait assez vite du coup. Et puis, ah, il y a encore là en bas, visiblement, on va pouvoir faire quelque chose. Quoique, ces feuilles, dans tout, c'est pas si pire. On mettra quelques feuilles en plus. Mais pour l'instant, on va laisser un petit peu. On va laisser un petit peu faire. Et du coup, ben, je vais maintenant attendre que ça se fasse des dégâts, puis on se retrouve juste après. Voilà les amis, l'arbre a fini de dépoper ses feuilles. Et donc ça veut dire qu'on a déjà une bonne idée d'à quoi ça va ressembler au final, tout en sachant qu'on va quand même un petit peu arrondir tout ça. Parce que oui, on est dans un jeu de cubes, mais de là à dire que tout doit être parfaitement cubique, comme c'est un peu le cas en ce moment, il y a un pas que je ne franchirai pas quand même. Donc on va arrondir un peu tout ça. Vous voyez par exemple là, touc. Rien que ça, ça casse un petit peu l'angle. Ça suffit à rendre le truc un petit peu plus sympathique, n'est-ce pas? Tac.
Voilà. Faut juste penser à de où on va le regarder. Donc, on va le regarder depuis en bas. Ouais. Et puis là, c'est vrai qu'on voit surtout, là en bas, il y aura des choses à faire sur tous ces coins comme ça qui dépassent un peu, histoire de les rendre plus vivables. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça dans mon petit coin. Et puis, on se retrouve juste après. Et voilà les amis, donc on a cassé à peu près, j'ai cassé à peu près tous les angles, hein, comme ça, histoire de les rendre un peu plus arrondis. Bon, il y a des trucs qui traînent encore là, il y a des tubes aspirateurs qui traînent, histoire de... Ils m'ont permis d'aspirer toutes les feuilles qui tombaient au fur et à mesure, parce qu'évidemment il y a des centaines de milliers de feuilles qui tombent, donc ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de lag sur le serveur. Mais enfin, voilà, le résultat est pas trop mal. Évidemment, maintenant je revois des trucs où ça manque, hein, puisque je suis en train d'enregistrer et que ça fait 5 minutes que je tourne autour de l'arbre en me disant que c'est tout bon. Mais c'est vrai qu'il a une jolie tête comme ça. Et puis, ben, si on regarde vue d'en bas, ça donne vraiment un côté massif, très vieux et tout ça, tout ça. Et puis, même vue de loin, si on s'éloigne un peu, par exemple, si on va au point de vue, ça donne vraiment quelque chose de très intéressant. Évidemment, c'est encore mieux si on met la vue à longue distance. Voilà. Et maintenant, la suite de l'épisode, parce que évidemment, ce n'est pas fini. Et ok, les amis. Alors maintenant que c'est fait, en fait, ce qu'on va construire maintenant, c'est un petit jumping puzzle pour rejoindre le sommet de l'arbre. Ça peut être bien sympathique. Et comme ça, on profite un peu de voir de la dite, puisqu'on l'a. Hein. Tant qu'à faire, ce serait dommage de ne pas en profiter. Quoique, je me dis qu'en fait c'est presque plus facile si je le fais directement à la main. Donc je vais faire comme ça, je vais faire ça à la main. On va partir de la plateforme d'observation qui est juste ici, donc ce sera un truc assez long quand même. Ok, alors pour l'instant, ce qu'on va faire c'est construire simplement un bête chemin en fait. Et ensuite, on se retrouve. Ok les amis, on se retrouve. J'ai fait le parcours. Pour l'instant, c'est juste comme vous voyez de la cobble. Donc on peut se balader dessus. Mais le but, bien sûr, c'est qu'on fasse ce trajet uniquement en sautant d'un bloc à l'autre. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais poser celui-ci, celui-là. Et en fait, je vais faire le parcours en même temps que... C'est faisable, ça? Ça a l'air, hein? Ouais, nickel. Tac. Est-ce qu'on arrive à faire ça? Oui, on arrive. Le but, c'est que ce soit pas trop compliqué à faire non plus. Mais que si on veut, on y prenne du plaisir, quoi. Ok, alors là, est-ce que c'est faisable, ça? On va essayer de mettre quand même un ou deux petits pièges. Yes. Impec. Alors là, ça va être compliqué. Tac. Ouais, ok, donc c'est faisable aussi. Il faut savoir jouer un peu avec les... Alors là, je pense qu'effectivement, deux blocs de montée comme ça, c'est trop. Donc il faut juste un... On va en mettre un de plus juste là. Ou est-ce qu'on le décale encore d'un cran? Ça peut être fun de le décaler encore d'un cran, là. Tac. Ok, donc maintenant... Alors je pense que c'est faisable. Il faut essayer. On va casser celui-là. Oh non, 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 non! Ça, c'est fait. Vous avez vu que j'ai pas triché, hein? Avec Fly et Fast et tout ça. Oui, alors du coup, j'ai réactivé le Fast parce que je me suis quand même dit, je vais activer le Fast avant de mourir. Sachant que quand on meurt, ces jours, je sais pas trop pourquoi, on perd systématiquement tout le stuff quasiment. Alors, c'est toujours un peu embêtant. On va voir ce qui reste ou pas. C'était sur un arbre par là, je crois. En tout cas, ça n'a pas l'air de traîner ici. Ah, maqué. Où qu'il est, mon stuff? Bon, alors, essai moins 76, 16, moins 55. Donc, grosso merdo, c'est l'arbre qui est juste là. Ok, alors comment je vais dessus, moi? Faut que je fasse tout le trajet inverse? Bon, en tout cas c'était inattendu, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, ça c'est bon. Ok, ici on passe, oh yes, le matériel important est encore là, donc ça c'est une bonne nouvelle.
Mais j'ai perdu des pioches en mithril, j'ai perdu... Enfin bref, passons. Pour l'instant, on s'en fiche un peu. Donc, on a tout, normalement. Il manque... Je pense qu'il manque... Ah non, mais c'est normal. Il manque un stuff de glow glass, mais en fait, c'est bon. Bon. Alors, on va remonter comme avec le fly, faut pas déconner non plus. Hein. Voilà, et c'est reparti. On va juste manger un coup. Oh oui, comme ça. Là, le mec, il fait toing, 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 toing. S'il fait pas gaffe, ouh, il passe en bas. Ok, ça c'est cool. Et on continue. Voilà, alors ça c'est fait. Je vais encore juste voir, est-ce que j'ai du bois sur moi? Bien sûr que non. Alors, j'ai une usine à bois en dessous, c'est ça qui est bien. Donc on pourra aller faire un panneau en vitesse. Oh! Oui, parce que je ne suis pas en créatif, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc j'ai bien des limitations. On va juste reprendre du bois parce que j'ai pas assez. Tac. Yes. Ah mais non, mais il me fallait un... Génial. Alors, il me fallait d'abord des sticks, bien sûr, j'ai enlevé. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et maintenant, on va aller poser ça. Voilà. Ok, voilà, comme ça, on dit juste félicitations, vous avez atteint le sommet de l'arbre de la vie. Puis on est content. Ouais. Alors maintenant, il va falloir enlever toute cette cobblestone. Pourquoi j'ai pris de la cobblestone d'ailleurs? Parce que je suis sûr qu'il n'y en a pas dans le coin. C'est pas du bois, c'est... Enfin, il n'y a pas d'autre... Il n'y a pas de cobblestone qui traîne ailleurs normalement. Donc, on prend très peu de risques. Même la route là. Oui, il y a de la cobble, mais la route est plus loin. Donc, au pire, je fais en deux fois. Mais alors, on va faire du coup un premier poste 1 juste ici. Un peu plus bas. Merci. Paf. Ensuite, poste 2. On va mettre là. Comme ça, on prend pas trop loin non plus. Ok, puis maintenant, replace, cobble, air. J'espère que c'est le bon truc, mais normalement, oui. Est-ce qu'on veut vraiment faire ça? Oui. Voilà, pouf! Et comme vous voyez, maintenant, notre magnifique jumping puzzle est à l'air libre et on est content. On va refaire encore un petit coup ici. Tac... Ok, et on se met jusque là. Voilà, ensuite... tac, yes, pouf, et voilà. Et on est content. Alors maintenant, la dernière chose à faire, à part miner ce petit truc-là, je pense qu'on va faire un tout petit... Ajoute un tout petit truc aux plateformes, une petite... comment? Une petite torche dessous comme ça, c'est sympa. Ça fait un petit truc en plus. On va juste aller lentement parce qu'en mode rapide, ça le fait pas. Je sais pas si j'ai assez de torches. C'est une grave question. Ah non, dessous s'il te plaît. Voilà, en plus ça fait un petit côté lanterne volante. C'est assez fun. Et ok les amis, alors c'est fini, j'ai posé mes petites torchettes. Et donc, il va être temps de tester. Je me demande si je pourrais pas même enlever cette première. Juste histoire de bien commencer. Hein. Ok, tac. Alors, voyons, voyons, voyons. C'est parti. Tac. Yes. 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 Ok. Jusqu'à là, c'est pas trop compliqué, ça va. Alors là, il y a celle-ci, puis après il y a la méchante, là. Il faut absolument courir pour la faire. Sinon, on passe en bas. Ok. Je me permets de me remettre au point où j'étais juste avant, parce que sinon, on a pour deux siècles. Ah ! Ok, bon. On recommence. Thank you.
on se retrouve en haut de ce petit jumping puzzle que vous avez vu. J'ai réussi à le faire finalement de façon parfaitement légitime. Je vous avoue que j'ai mis quand même une quinzaine d'essais pour réussir. Je suis mort plusieurs fois, j'ai perdu pas mal de matériel. C'est pas grave, je veux dire, c'était du matériel pas forcément très intéressant à garder, sauf peut-être la pioche mitrile neuve. Ça fait toujours un peu mal aux fesses, mais voilà, c'est comme ça. Quoique je l'ai peut-être déjà perdu un peu avant. Enfin bref, mais du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu avec cette reprise. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, aussi ce que vous pensez de l'arbre. Venez aussi essayer Jumping Puzzle, il est réalisable. Il n'est pas facile, mais il est réalisable. Enfin, pas facile. Il y a quelques sauts pas faciles. La plupart, ça va, franchement. On va dire, c'est niveau débutant intermédiaire. Et puis, ben voilà, si ça vous plaît, comme d'habitude, petit pouce en l'air. Si ça vous plaît pas, petit pouce en bas. Et à très bientôt. Ciao tout le monde.